J'aimerais qu'on écoute et qu'on réalise les paroles du cantique. Tu réclames moins de paroles, mais plus de cœur. Tu veux voir des mains levées pour t'adorer. Et non seulement des mains tendues pour demander d'être aimé pour ce que tu es. Tu ne veux pas simplement que je parle de toi sans prendre le temps de parler avec toi, car tu entends bien au-delà des mots et vois. Si dans mes paroles il y a un cœur qui bat pour toi, Seigneur, je veux t'adorer, être un vrai adorateur, t'offrir mon cœur en offrande, c'est ce que mon Père tu demandes. Dieu, tu veux être adoré en esprit, en vérité, que la louange de mes lèvres soit l'expression d'un cœur passionné. Éternel, tu es ma force, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé, mon Dieu, je te célébrerai à travers une vie pure et consacrée. Écoutez les paroles. Tu m'as vu paraître debout devant les autres, sans me tenir à genoux devant ton trône. Seigneur, pardon si parfois notre relation, et c'est souvent comme ça, hein, n'a reposé que sur une simple fonction. Vous savez ce que Dieu veut ? Car toi tu désires un service qui commence à tes pieds, un cœur ouvert avant des mains déployées. Consume en moi, Seigneur, tout ce qui est charnel, et ranime en moi le feu d'un amour passionnel. Seigneur, je veux t'adorer, être un vrai adorateur, t'offrir mon cœur en offrande, c'est ce que mon Père tu demandes. Dieu, tu veux être adoré en esprit, en vérité, que la louange de mes lèvres soit l'expression d'un cœur passionné. Éternel, tu es ma force, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé, mon Dieu, je te célébrerai à travers une vie pure et consacrée. Écoutez, tu discernes ce qu'il y a de vrai et de faux. Dieu fait bien la différence. Tu entends ce qu'il y a au-delà des mots. Ce que tu veux, ce sont de vrais adorateurs en esprit et en vérité.
Je dis juste ce mot-là, frères et sœurs.